Salut tout le monde et bienvenue pour cette quatrième partie de la rétrospective Hokuto no Ken. Aujourd'hui, je m'attaque à sa préquelle que j'aime beaucoup, Soten no Ken. Un manga original, sorti chez nous la première fois en 22 tomes chez Panini Comics. Une deuxième édition existe, publiée par Mangetsu, qui en est au tome 5 actuellement et qui suit l'édition extrême japonaise. Plus épais, cette édition devrait comporter 14 tomes, à noter qu'ils ont traduit certains noms, comme les deux organisations criminelles que l'on rencontre. Le Hongwa Wii devient alors l'Union du Pavot Sanglant, et le Qingmang devient le Syndicat de Jade, traduction qui n'existe pas dans la première édition. Ceci étant dit, revenons au manga. Dans Soten no Ken, on suit les aventures de Kasumi Kenshiro, 62e successeur du Hokuto Shinken, dit Yan Wang, le roi des enfers, et tout cela se passe dans le Shanghai des années 30. Il va s'opposer à la mafia locale, le Hongwa Wii, afin d'aider ses amis, du Qingmang, et sa bien-aimée. Alors Kasumi est le grand frère du 63e héritier, Ryuken, le père adoptif de notre Kenshiro. D'ailleurs, les deux se ressemblent physiquement, mais leur personnalité est très différente. Le 64e, le petit dernier, est plutôt introverti et silencieux, timide et réservé, taciturne. Il découvre le monde. Le 62e, lui, est plus roublard, éloquent, charismatique, jovial, ultra décontracté. Il affronte ses adversaires la clope au bec, un peu comme Cobra et son cigare. Le Ken de Shanghai possède un odorat sans pareil. En outre, il dispose également d'une mémoire eidétique. Oui, une mémoire photographique, un peu comme Sheldon. Bon, les muscles en plus, hein. Alors ce fameux odorat de Kenshiro va le suivre pendant tout le manga et va lui être fort utile pour déceler du poison ou retrouver la trace de ses amis. Pratique. A noter que dans ce manga, même s'il est crédité du scénario, Buronson est assez éloigné. En fait, c'est Nobuko Horie qui en revendique la paternité, même s'il n'apparaît pas dans les crédits. Alors Hara justifie l'absence de Buronson par les enjeux de cette nouvelle aventure et précise que lui et Horie voulaient le préserver des éventuelles retombées négatives. Il dira dans une interview qu'ils se sont permis de l'éloigner pour son bien. Buronson restera quand même à la supervision de la saga. Alors le manga s'ouvre sur la légende du Hokuto Shinken, le point meurtrier de l'ultime carnage, avant de se focaliser sur Ryuken, qui accueille un nouveau fils dans sa famille, le dernier, Kenshiro. Celui-ci porte le signe de son destin, la marque de la Grande Ourse. Ryuken décide alors de lui donner le nom du 62e héritier du Hokuto Shinken, le plus grand guerrier, selon lui, de l'histoire de cet art meurtrier. Tout de suite après, on bascule en 1935 et l'on découvre un Kasumi Kenshiro, professeur de littérature pour femmes à Tokyo. Il décide de reprendre du service quand il apprend que ses amis du Qingmang, mafia honorable détenant Shanghai, se sont fait décimer par le Hongwa Wii, une autre mafia sans aucun honneur qu'il avait exterminé quelque temps auparavant. Ce retour va l'impliquer dans une guerre de la pègre pour le contrôle de Shanghai, mais aussi dans les conflits de la Mandchourie de l'époque, et surtout, lui fera faire un voyage mystique vers les origines du Hokuto. Alors le Qingmang, la mafia honorable de Soten no Ken, a réellement existé. C'était une triade secrète de la première partie du XXe siècle qui œuvrait principalement dans le commerce d'opium à Shanghai et qui a joué un rôle dans la guerre civile chinoise. En outre, ce gang est responsable du massacre quand même de 5000 pro-communistes grévistes en 1928. Ça rigolait pas à l'époque. Alors le Hongwa Wii, afin de se débarrasser de Ken, lui enverra des grands maîtres en arts martiaux. C'est ainsi que l'on découvre des affrontements magnifiques et diverses écoles comme le Hokuto Sankaken ou le Hokuto Sokaken. Vous notez, il y a un N en moins. On verra également un retour en force du Hokuto Ryuken ou Ryukaken, et on apprendra pourquoi il y a autant d'écoles Hokuto. Ken affrontera dans un premier temps un très grand maître du Hokuto Sankaken, Ling Wang, le roi des morts, qui veut montrer la supériorité de son art face au Hokuto Shinken. Cet orgueil est doublé d'une rancœur personnelle dans la mesure où il était destiné à épouser Yu Ling, la fiancée de Ken qui avait disparu. Mais on apprend que le mécréant lui a en fait effacé la mémoire. Alors la maîtrise du Hokuto Sankaken permet à Ling Wang de déplacer ses points vitaux pour faire obstacle au Hokuto Shinken, cela s'appelle le Iko Eni. Cette stratégie me rappelle un peu le secret de Souther dans la série principale. Mais ici, Ken annoncera directement que certains points vitaux ne peuvent être déplacés et il fracassera la tronche de Ling Wang. Mais Ling Wang n'est pas le seul adepte du Hokuto Sankaken, on apprend aussi que Charles de Guise, ami de Kenshiro, ou plutôt Peng Yu comme on dit dans le manga, en est un très bon adepte. D'ailleurs, c'est sympa de voir un officier français tenir ce rôle. Et puis Ken affrontera un obsédé du sexe nommé Zhang Taiyan, qui se trouve être l'héritier du Hokuto Sokaken. C'est dire qu'il est très puissant. Là aussi, il y aura plusieurs affrontements et un repentir. Après cela, il sera opposé, comme dans la série principale, au Hokuto Ryuken, cet art dont étaient déjà issus Kaio et les Rachos du pays de la Shura. Il fera la rencontre de Bayo Beifang et de Liu Feiyan, dont l'art de combat se rapproche davantage du Nanto. D'ailleurs, ce dernier est surnommé l'oiseau de mort et fait beaucoup penser à Rei.
Il est lui aussi guidé par son devoir et protège une jeune enfant des nazis. Mais le plus puissant des adversaires que devra affronter Ken sera Liu Zongwu, l'héritier du Hokuto Ryuken, qui veut se battre contre Ken pour lui montrer sa supériorité. On le découvre comme lieutenant nazi travaillant pour les SS, et puis il renoncera à la voie du mal, se rasera la tête et deviendra moine. Cette partie se terminera sur l'affrontement final entre lui et Ken, et la découverte de l'ultime arcane du Hokuto Shinken, le Mus... c'est le Soryu Tenra. Oui, oui, visiblement, il y a deux ultimes arcanes, hein, puisque là, on en découvre un autre. Celui-ci permet à deux adversaires de combattre dans un vide total. Alors il faut noter que lorsqu'il était lieutenant SS, Liu Zongwu eut l'opportunité d'approcher Hitler et de le tuer. Mais il ne le fit pas car il estimait ce personnage beaucoup trop minable et passage en chemin. Dommage. Il restera ensuite un tout dernier acte où Ken affrontera Yasaka, l'héritier du Seito Geken, le fameux art qui a fusionné avec le Hokuto originel pour former le Hokuto Shinken. Ouais bien, Yasaka souhaite anéantir le Hokuto Shinken par vengeance, à vous de découvrir pourquoi. Mais j'en parlerai un peu dans la 7ème partie. Contrairement à la série principale, l'histoire s'inscrit dans un environnement historique avec un décor bien ancré dans la réalité. Si les auteurs prennent quelques libertés, il n'empêche que certains événements sont bien réels, comme le partage de Shanghai par différents pays étrangers, ou encore l'invasion de la Chine par l'armée japonaise. Hara s'est lui-même rendu en Chine pour trouver l'inspiration. Et franchement, ça se ressent, déjà par l'utilisation des noms, mais aussi par les décors très imprégnés de culture chinoise, et par les costumes, notamment certains magnifiques portés par Kenshiro. Ce côté historique est la force du manga d'ailleurs. On y voit les inégalités, les guerres diplomatiques, les différentes concessions étrangères, la concession internationale, la concession française, on y découvre le conflit contre les communistes, les prémices de la guerre sino-japonaise, la montée du nazisme, et la volonté de certains personnages, notamment Charles Le Guise, de créer un état pour les martyrs de guerre, notamment les juifs, puisque à l'époque, je vous le rappelle, Israël n'existait pas. Si l'on se concentre sur le Hokuto Shinken, l'histoire développe plutôt bien son background, on apprend davantage de choses, de nouvelles écoles font leur apparition, et la dernière partie est vraiment centrée sur le destin de l'héritier. Et, cerise sur le gâteau, on peut comprendre et apprécier cette préquelle en tant que telle, sans avoir lu la série principale. Du côté des personnages, les grands maîtres sont tous plus charismatiques les uns que les autres. Le héros principal est également beaucoup moins lisse, moins manichéen que Ken. J'ai déjà dit qu'il était plus extraverti, plus frimeur que le 64e successeur, mais il faut noter qu'il défend quand même une mafia locale qui certes montre un minimum d'honneur, mais qui œuvre quand même dans le trafic d'opium et la prostitution. Alors petit point négatif sur les combats, la plupart du temps le schéma narratif se répète un peu. Un guerrier arrive, des fois c'est même une belle raclure, il y a un premier combat d'exposition, puis un second qui voit Ken l'emporter, et le guerrier se repentit avant de mourir tué par un ennemi de Ken. De fait, le scénario tourne un peu en rond, même si on est très content d'en apprendre plus sur le Hokuto Shinken. J'avoue que le manga traîne parfois un peu en longueur également. Cela étant, les combats sont vraiment passionnants. Les coups et techniques se multiplient, et Ken est vraiment ultra badass. Contrairement au 64e, on sent que c'est un guerrier accompli, et fortement expérimenté dès le départ. Un autre point qui peut diviser, c'est l'aspect grotesque des membres de la mafia rivale, ainsi que d'autres protagonistes, comme le Shogun. C'est parfois très glauque ou ridicule, et beaucoup trop caricatural. Les personnages sont difformes ou ont des tailles complètement farfelues, et j'avoue que cela peut nous faire sortir un peu de l'histoire parfois. On avait déjà trouvé ces prémices dans le premier manga, mais là c'est vraiment poussé à l'extrême. Cela étant, quand c'est réussi, ça peut être drôle, notamment la partie où le Shogun ne doit pas prononcer son nom, je vous laisserai découvrir. Le sexe est aussi beaucoup plus représenté et explicite dans le manga. Les femmes sont très nombreuses et très bien pourvues, et il y a quelques scènes érotiques, principalement dans les premiers tomes. Si vous vous rappelez bien dans le manga original, à part cette photo de Mamiya, il y a très peu de scènes érotiques. Eh bien, dans Soten no Ken, il y en a nettement plus. On voit que Hara maîtrise beaucoup plus son trait pour dessiner les belles femmes. D'un point de vue graphique, c'est superbe. Hara maîtrise de mieux en mieux son art, c'est clair, et ce qu'il laisse entrevoir dans les derniers tomes de Ken et les esquisses du roman est mis à jour ici. Le trait est fin, les personnages prennent toute la page et sont magnifiquement dessinés. Cela se ressent aussi bien dans les passages soft que durant les combats. C'est ultra détaillé, subtil et puissant à la fois, c'est du grand art. Soten no Ken aura une suite avec Soten no Ken Regenesis, sorti en 2017. L'histoire se déroule 7 ans après les événements de la première époque en Indonésie. Je ne pourrais vous en dire plus, je ne crois pas qu'elle soit sortie en France, je garde toute réserve. Au Japon, il existe une poignée de tomes. A priori, l'histoire devrait s'articuler autour de la liste de l'espoir qui est évoquée dans la première série. A noter que le manga est dessiné par Hideki Tsuji, dont le style est très très proche de Hara et scénarisé par Hiroyuki Yatsu, qui avait participé au dessin animé. Franchement, quand on voit graphiquement l'œuvre, on n'est vraiment pas dépaysé. En revanche, l'avenir de ce manga reste incertain, puisqu'il est suspendu depuis 2020, visiblement son auteur est malade. Cela étant, il a fait l'objet d'un animé,
et c'était une excellente transition pour évoquer rapidement l'adaptation télévisuelle. Soten Noken a donc été adapté en animé, bien évidemment. Alors je serai très rapide car l'adaptation n'est pas d'une grande qualité et l'animation plutôt pauvre. En tout cas, c'est mon point de vue. Seuls 26 épisodes ont été réalisés et reprennent la première moitié du manga. Ils ont été édités en version française, la suite, Regenesis, a également fait l'objet d'un animé de 24 épisodes, mais c'est un peu confus. Alors ce n'est pas la suite de la première époque du manga, et cela semble se passer plutôt juste après la première série animée, avec de nombreux changements scénaristiques. Bref, cela m'a un peu perdu, je trouve le dessin plutôt bon et fidèle, mais comme je ne suis pas fan de l'animation en CGI, et qu'ici elle est vraiment pas terrible, j'avoue avoir perdu l'envie de tout regarder. J'en ai fini avec Soten no Ken, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager si cela vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine, pour parler de la série animée, on va passer du temps. En attendant, prenez soin de vous.